voilà. Un petit problème technique, connexion pas du tout stable. Enfin, comme d'hab, quoi. Ah bah au lieu de dormir, s'il faisait de la culture, peut-être qu'il y aurait de la bouffe. Ah, mais de la vie, on arrive à tenir. Mm-hmm.
Moi, reine de la France, peut-être qu'on peut y arriver. Ça me donnerait, hein. Bon, on va recommencer. Pas la peine. Cette fois-ci, on va bien diversifier les tâches comme il faut. Ok. Alors, voici. Voilà. Allez, on reprend comme il faut. On va y arriver, on va y arriver. Ça sert à rien de mettre un mineur pour le moment. C'est strictement inutile étant donné qu'on n'a pas besoin de pierre. Et qu'on a assez de cristaux pour pouvoir avoir les deux trucs qu'on veut.
On va chercher le nouveau migrant. Pareil, on va faire. On va le forestier. Alors, Kevin, premier forestier. Cool. Voilà, très bien. Il dort par terre, ce con. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord. Hop. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Cette fois-ci, on s'organise bien. Ça va le faire. Ok, maintenant la table. Comme ça, on fait vite l'agriculture. Parfait. On s'en récupère l'agriculture. On commence, on fait une dizaine de plants d'abord, qu'on puisse se refaire comme il faut. Parce que trop d'un coup, ça va pas. Yeah. Yep.
Parce qu'on va faire un fer roulant. Voilà. Ok. Parfait. Alors, on va commencer deux, trois, quatre, six. Ok. Mais pour le moment, on va faire ça. Allez, pour le moment, ça part bien. Ça part très bien. Ouais, le but c'est de se refaire en bouffe. Plus vite on se refait en bouffe, plus vite on tient l'hiver. Donc là le but c'est d'agrandir le champ une fois que le champ est full. Voyez-les par étapes. Alors. Ok. Augmenter tout ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver.
Ok, parfait. Maintenant, on sert plus de l'érudit, on laisse faire que de l'affaire. Sérieusement? Pour qu'ils sont crevés? Il suffit juste de récolter les tomates, ils sont cons, comment ça se passe? C'est pas grave, on va s'en sortir. Je suis sûr qu'il est capable de se laisser crever de faim, même si... Parce qu'il est en mode vacances. C'est même sûr.
qui sont cons. Ils sont complètement abrutis. Le mec, au lieu d'aller manger des tomates... Ils ont de la bouffe, mais non. On va aller la chercher. Putain, c'est trop doux. Bon. Alors, ce qu'on va faire, on va virer forestier. Voilà. On va se focaliser sur la ferme. Vite, faut aller l'accueillir. On va le poule fermier aussi. De toute façon, là, on a juste besoin de bouffe pour tenir l'hiver, vu qu'on arrive en automne en plus.
Corinne. Voilà. Voilà, le but c'est vraiment de tenir l'hiver. Voilà, on va se mettre en place pour l'hiver. Sauvegarde. Là, normalement, on est beaucoup mieux pour l'hiver. Il faut qu'on monte au moins à 80 en bouffe, mais on n'y arrivera pas. Faut qu'on soit à 80 au début de l'hiver. Hein.
Allez, pour le moment, on n'est pas bon. Le 15, ça suffit pas. Si la récolte est bonne, 24, 48, 6, normalement on en a plus de 70. Donc si on arrive à faire deux récoltes avant l'hiver, on peut être bien pour l'hiver. Alors, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Là, on est pas mal du tout. On est même bon. Bah, on va avoir de la bouffe. Laisse récolter les patates. Et on peut y arriver. Je suis sûr qu'on peut y arriver. On ne dit pas qu'il est allergique à la patate. Oh mais là, il est allergique aux patates. Oh mais j'y crois pas. Oh, faut qu'on lui retire allergique aux pommes de terre.
Niveau humeur, ils sont pas trop mal. Allez, au niveau bouffe, on peut peut-être réussir. On va recevoir vite des pommes de terre. On arrive à tenir une cadence pareille avant l'hiver. Il y a moyen qu'on tienne. Il faut vite qu'on plante des pommes de terre avant que l'hiver arrive. Bon, elle est où celle qui est allergique aux patates ? Là, elle est là. Donc. Non, bon, ça va, ça c'est pas grave. Là, vraiment, mon but, c'est d'avoir un gros stock avant l'hiver. Mineur. Voilà. Il faut vraiment qu'on se mette en place pour l'hiver. Elle s'est blessée, cette conne, elle est en train de faire une hache. Tu vas me dire qu'elle s'est mis une écharpe dans le doigt? On va pas y arriver. On va pas y arriver. Bon. Jamais on y arrive, mais c'est pas grave. Peut-être avec l'aide d'un marchand.
Burnout, le maquis de l'Andrain, Burnout, mais bien sûr. Et merde. On n'a pas besoin de ça. C'est à coup. T'en où? Qu'est-ce que le... Super, bon. Allez, on recommence. On va essayer celle-là pour voir. Non, celle-là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Voilà. Voilà. On va y arriver. Je désespère pas. Allez, parfait, on prend ça. Allez. Hop, sauvegarde. Voilà. Hop. Alors, on va se mettre où?
On va s'installer là. Alors. Donc, hop. Est-ce qu'il est fermé? Voilà. Donc, il faut vite. On va créer. Là, on va créer le grand bâtiment. Voilà. On fait ça bien. Yep. Là, on va accrocher l'armurerie. Là, on va faire la ferme. Et là, on mettra l'armurerie. Un bout de bois. Une connerie de bout de bois. Alors, il est quoi? Un artisan. Pour le moment, on s'en fout. Il va être comme ça.
Allez, là c'est la bonne partie, je le sens. Là, cette partie elle est bonne. C'est la bonne partie, je vous dis, c'est la bonne partie. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont faim. Mais go! On va voir ce qu'il peut nous proposer. Fraise, fromage. C'est trop cher. Yep, yep. Yep. Yeah.
Je suis pas sûr qu'on y arrive. Pas sûr du tout. L'agriculture, l'été s'approche à grands pas. Bon. Ce qu'on va faire, on va virer. Voilà. On va récupérer le dernier cristaux. Débloque l'agriculture. Et on va faire le champ là. Et on va faire le champ là. Thank you.
Hervé, c'est un gros ping, hein, sérieux? L'agriculture. Bon, alors, on s'y est encore mal pris. Thank you.
Yep. Allez, faut vite débloquer l'agriculture. Vite. Parfait, Jacob. Qu'est-ce qu'il est, Jacob? Un mineur de base. Mais c'est pas grave. Allez, il nous faut 5 cristaux. Faut vite débloquer l'agriculture. Des cristaux couillon. C'est bon, on a les 5. Allez, Jacob. Dès qu'on a l'agriculture, on les focalise dessus. Il n'y a plus qu'un cristaux. Parfait. Alors, agriculture. Hop.
Donc, on va faire la ferme là. Donc. On est bien. Donc maintenant. Hop. Yep. Voilà, parfait. S'il a de la bouffe, parce que sinon on va pas tenir jusqu'à que ça pousse. Alors, il a des pommes. On va lui prendre 20 pommes. Ouais, on va lui prendre 20 pommes. Ils sont deux full dessus, ça devra le faire. Jacob. Il est allergique aux pommes.
toujours un mec allergique. Un coup, ça a été les pommes de terre, un coup, c'était les pommes. Franchement, c'est vraiment des faibles. On va y arriver, on va y arriver. Pourquoi il a arrêté de couper du bois ce con-là? Alors. Oh, ils sont sérieux là. Juste parce qu'il fait que manger des pommes, parce qu'il en est allergique, mais quelle petite nature! Et là, ça va le faire, 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 ça va le faire. Je le sens bien. Yep.
deux fermiers et un mec qui va s'occuper de tout le reste. Là, les fermes sont belles, elles sont super belles. On n'est même pas au début de l'automne. Donc après, on fera une petite maison pour le fermier. Tout le monde est content, tout le monde est heureux. De déclencher une guerre maintenant, au moment où tout va bien. Ça avance vraiment très bien. On va sauvegarder vite et on va pouvoir faire du feu et on va avoir des plats beaucoup plus copieux. Parfait ça. Ah cool, Hervé aussi. Ok. Oh, pourquoi pas mettre des fraises? Ouais, on va semer des fraises. Faut faire la recherche, merde. Bon, tant pis, c'est pas grave, au moins on l'aura. Là. Tout se passe bien. Vite. Alors, où est-ce qu'ils vont m'attaquer? En plus. Fallait qu'il ait une arme. Oh
Yes. On l'a eu. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres par contre. Un coup de baffe, tiens, prends les baffes. Et on va l'enterrer, sinon ça va nous rendre malade. Mais merde, j'ai passé le bois. Bon, faut vite les enterrer. Alors. Faut vraiment qu'on se mette en place pour l'hiver. Là, franchement, on est plutôt bien. On est même très bien. Ça y est, on a assez pour pouvoir faire deux tombes. On va mettre le cimetière... Là. Il dormira après. Voilà. Et là, il peut aller dormir. Ce qu'on va faire, c'est on va commencer à donner comme ça.
Faut vite qu'on récolte les tomates avant que l'autre en arrive, sinon on va toutes les perdre. Déjà, on est là, c'est beaucoup mieux en bouffe. Hein. Beaucoup mieux. Ah, elle est parfaite. Bon, maintenant, on va essayer de s'améliorer. Jacob est passé forestier niveau 1. Bon, on est plutôt pas mal pour l'hiver. Normalement, il y a moyen de faire un truc de bien. J'aimerais bien un quatrième colon, ça serait bien, franchement.
Pourquoi ils minent tous du des cristaux? Parce que ça. Normalement, on tient l'hiver. Si on tient pas l'hiver, il y a un gros problème. Je pioche là que ça aille mieux. Bon, en tapant dessus avec des coups de pied qu'on va avancer, hein. Ah, c'est cool ça, Denis Fermier niveau 2. Yes, un nouveau migrant. On en avait besoin. Clairement, on en avait besoin. Par contre, j'espère qu'il n'est pas stupide. Alors, qu'est-ce qu'il est ? Il a pas l'air idiot. Ah, son là, c'est caractéristique. Non, ça c'est son nom. Bon, je sais pas. Enfin bref. Alors, on va le mettre en forestier. Hein. On va le faire comme Jacob en fait. Ouais, on va faire ça. Voilà, très bien. Mais lol, c'est le médecin qui brasse la bière. Mais n'importe quoi. N'importe quoi.
va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Pierre, minage de fer, on va attendre pour avoir minage de fer. C'est pas possible qu'on tienne pas l'hiver là. Hein. C'est obligé qu'on tienne l'hiver.
Il faut vraiment qu'on évoque le médecin aussi. Hein. Alors, on va débloquer l'écriture pour pouvoir débloquer la médecine. Pourquoi pas assez de bois? Ah, faut 20 bois. Bien sûr, ces feignants sont en train de dormir. Donc que ça, ils savent que ça à faire. Ils savent faire que ça. Des insectes, des insectes. Et voilà, on est en hiver. Bon. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on commerce? Non, on commerce pas. Bon, mes deux bûcherons ont des haches. Pourquoi dépression?
j'ai... On va créer des tombes. Avec des coups de pied, n'importe quoi. Cool. Qu'est-ce que ça nous débloque? Alors, ça nous débloque la couture. En dark et... Oh. Ok, des armes et des armures. J'hésite. Je vais lui donner parce que je vais avoir un médecin. La pharmacie, c'est bon. Bon, on a encore assez de bouffe. On est à plus de la moitié de l'hiver. Au moment, on va y arriver. Ils ont fait un bonhomme de neige. C'est mignon. Alors. Ah, on a une pioche. C'est une deuxième pioche même, avec de la chance. Parfait. Oui, comme ça, ils vont arrêter d'utiliser leurs pieds, quoi. Ce sera moins fatigant.
point. Le fer. Le fer ou pas? Le fer. On va voir la deuxième hache. Ouais, deuxième pioche. Nickel. Parfait. Plus de 100, on est quasiment, on a dépassé la mi-année d'hiver. Franchement, on est super bien. Ah, lui, il a 2 points. On pourrait lui mettre... Fait ça. Voilà, comme ça il va beaucoup plus travailler. Est-ce qu'on peut les faire se reproduire? Ça peut être intéressant. Il a fabriqué une épée. Parfait. Comme ça, tout le monde a une arme si c'est en attaque. Alors. Pas de dégâts. Elle a combien de dégâts? On va savoir ça tout de suite. 4. Ouais, c'est quand même mieux l'épée. Par contre, pourquoi il cuisine plus? C'est qui mon cuisinier? Allez, on va accepter. Minerai de fer. C'est lequel qui peut récupérer du fer déjà? Et Denise. Alors, Denise, on va l'envoyer sur du fer. Il est où le fer? Viens ici, petit fer. Il est où le fer?
Là, ça c'est du fer. Alors. Il nous faut 20 fer. Ah, l'hiver commence à finir. On a tenu l'hiver. Si on récolte un nouveau, on va changer Jacob. En gros, on va le mettre en artisanat docteur. En docteur érudit. Et on va firer érudit de Jacob. Et docteur de Amandine. Ça, ils seront juste forestier artisan. Forestier artisan. Il nous faut juste un cinquième. Un fer, on fait le premier coffre. Yeah, nickel. On va faire le premier coffre. Il a pas fini de faire l'épée, mais quel couillon! Fais ton épée, dépêche-toi! Alors, on va débloquer le médecin. Hop, voilà. Il faut le médecin pour pouvoir les soigner. Alors, hop, métier. Une recherche. Agir pour enfants, en bibliothèque. Métier.
je parle de parchemin nécessaire pour la recherche avancée. Les parchemins offrent beaucoup de secrets à découvrir. On part en avant de la colonie. Atelier de tailleur, atelier de maçon. Vous voulez apprendre de nouvelles capacités, vous voulez vous perfectionner vos compétences, et bien contient toutes vos connaissances dont vous avez besoin. Formation. D'ailleurs, contient des livres simples pour initier les enfants à toutes sortes de sujets impressionnants. Utilisez-la pour leur donner une bonne éducation. D'accord, donc je pense qu'il faut le support de parchemin de recherche. Et la bibliothèque, sûrement. On va voir. Faut lui faire quoi. Alors par contre, ce qu'on va faire, parce que là on va se faire avoir au niveau bouffe. On va faire ça, voilà, le fermier. Mineur. Faire ça. Voilà, sinon, le prochain hiver, on va pas réussir à le tenir. Qu'est-ce qu'il a ? Tu vas arrêter de me miner des cristaux, je veux du fer. Ah d'accord, je viens de voir ma bêtise. Oh c'est pas grave. Jacob, il va être multifonction. Je suis en train de me demander si je mettrai pas tout le monde multifonction. Ouais, franchement, on va faire ça. Et le cinquième, il prendra artisan d'art et érudit docteur. En gros, les trois seront forestier, mineur, fermier. Ouais, on va partir sur ça. On va partir sur ce que j'avais prévu de base.
Ce qu'on va faire, ça va être dans l'ordre. Donc, voilà, on va partir comme ça. Alors. D'accord. Dommage. Ok, alors ce qu'on va faire. On met comme il faut, donc. On va faire la forestière. Le mineur. Les deux fermiers. Voilà, on va faire ça. Ok, on va faire ça, on va partir sur ça. C'est notre forestière. Il faut une hache. Jacob. Jacob, il est mineur. Il faut. Il lui faut une pioche. Voilà.
On va leur mettre des pioches vu qu'ils sont. On sait jamais, ça se trouve à passer. Bon, pour l'hiver prochain, on aura des pommes. Donc c'est bien. Bon, au prochain commerçant, on vendra les massues. Ça va rien. Alors, ce que nous allons faire, on va créer la première maison spéciale, on va la créer au docteur. Ouais, et dedans, on va lui mettre les bibliothèques, cabinet médical. Ou on fait le charpentier. Ouais, on va faire la première maison, on va faire la maison du charpentier. Donc... on va faire non. Hop, on va se faire attaquer. Ah, d'accord, ils ont pas... Ok. Alors, on va commencer la première maison, la maison du charpentier. Alors, on va faire... on va faire ça. Oh.
Il emporte mon mec. Qu'est-ce qu'il fait? Niqué. Il a emprisonné mon mec. Normal. Hotels. On va charger. Alors. Voilà, la première attaque, on l'a fait sans problème. Regardez les gourdins. Les gourdins, ils font quand même plus de dégâts que les pioches et les haches. Alors, on va sauvegarder, on va faire la première maison. Ah, ça s'est beaucoup mieux passé. Oups. Si on bouge le coffre à l'extérieur, il n'est plus trop être protégé, donc. Alors on a un bois.
Lol, arts martiaux. Ok, donc Hervé, il peut avoir une épée maintenant. Ça. Oui. Donc Hervé, on va lui retirer le gourdin. Et on va lui mettre une épée. Voilà. Alors, reprenons. Hop, on sauvegarde. Voilà. Et on va faire la première maison. Je vais faire une belle maison. Donc on va faire ça. Oh, il me gonfle. Alors, allez chercher vos armes. Alors, on va sauvegarder. Ouais. On va les mettre. Ok, on va lui faire une chambre là, voilà, et la porte là, voilà. Artisan mineur, artisan mineur, Hervé et Denise.
On va sauvegarder, on va s'AFK une petite minute, je reviens. Et re. Alors. Par contre, on n'est pas du tout prêt pour l'hiver. Bon, si on arrive à tenir l'hiver, on aura des pommiers pour la prochaine fois. Bon, on peut pas faire ce que je voulais faire. Bon, c'est pas grave, on va faire une pièce. Ah, un marchand. On va aller commercer avec lui. Ok, donc on va vendre une massue. Et... c'est tout. Est-ce qu'on a des stockages de charpentiers? Alors, on va faire. Ce qu'on va faire, on va faire stockage. On va mettre le lit là. Donc ce qu'on va faire, c'est on va mettre comme ça et comme ça. Voilà. Après, on va mettre
On va patient. Et... Simple étagère, armoire, coffre, table, chaise, banc, simple, lit d'enfant, mes croix, lanterne rurale et torche murale. Ok. Quand on est vraiment pas prêt pour l'hiver là. En attendant, on va changer, on va lui mettre l'immobilier. Ok, après on va faire une autre maison. On va faire la maison de l'érudit. On va la faire là. On va faire une tour. On va faire une tour, on va se taper un délire. En fait, la tour du médecin, parchemin, tout ça. Donc en dessous, on va mettre... mettre tous les trucs et on mettra sa chambre en hauteur. Jacob est mort. Mais lol.
Oh putain, ils vieillissent de ouf! Comment je vais faire pour avoir des nouveaux colons, moi? Fait pour avoir des colons supplémentaires. J'espère qu'il va m'en envoyer un. Commencer juste à peine à se mettre comme il faut. Ah oh, c'est moche. Je sais pas comment je vais faire là. On a le forestier, on a le fermier. C'est le mineur qu'on a perdu. Merde. Bon, on va le faire forestier mineur. Hein. Est-ce qu'il peut équiper. Bon, on verra, hein. Voilà. Bah ouais, pénurie de nourriture. On ne tiendra jamais l'hiver sans truc de ouf. Yeah, mais... Bon, sur ce, on verra la prochaine fois comment ça se passe, mais je vais sûrement vous laisser. On commençait à peine à se construire, on a déjà perdu... Il est difficile ce jeu quand même, il est pas facile, pas facile du tout. Alors, on va débloquer la couture. Alors.
les fermiers, faut vraiment qu'ils soient full fermiers. Sinon, ils s'occupent vraiment pas de la ferme. Et on est grave en déficit de bouffe. Là, je sais même pas si on va s'en sortir. Hein. C'est enfoncé profondément dans ses pensées, il veut faire la paix avec la passée, il pourrait voir le sacrifice quelque chose. L'ami défunt qui y pense toujours. Parce qu'elle veut sacrifier? Mais oui. On dit rien de bon. On verra bien. Marchand. Yep. On va commercer. Et après, je pense qu'on va arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il peut me proposer? Minerai de fer. Du minerai de fer, il m'en faut 11. Voir si on peut se l'acheter. On peut se l'acheter, c'est bon. On va vendre. On peut rien vendre d'autre. Ok. On va juste prendre le fer. Comme ça, on va pouvoir faire ça. Ah, il nous manque du bois. Bon, c'est pas grave. On les aura tôt ou tard. Ah, on se fait attaquer. Et où le combat? Lol, il tape à travers la fenêtre. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine fois. Et on verra comment avance notre petite ville la prochaine fois. Salut !